Vous allez entrer à vos risques et périls dans un lieu étrange où tout peut arriver. Vous y verrez des choses que nul n'a jamais vues. Hello tout le monde, c'est Mr. Pingouz, on se retrouve sur Outlast, deuxième partie. Et je commence déjà à flipper, on entend les mouches, c'est génial. Donc, quelques cadavres. Oh, terrible, je m'accroche. Sexy, le bout de bois. Sexy ou pas? Ouais, sexy, non? Oh, ma main, là. Le gars, il pose sa main comme ça. Sans prévenir ni rien. Ça, c'est cool, ça. Ok, c'est juste pas le bon bouton. Je sens qu'il va y avoir quelque chose qui va sortir de là-dedans. Non? Pas moyen de sortir. Mon véhicule, je le vois plus. Tout ce que j'aime. On va quand même investiguer, si je peux dire. Faire notre investigation. Cherche les fesses à chaque coin de porte, parce qu'on sait jamais, on peut se faire sauter à la gueule de tous les côtés. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là? Un cadavre. Allez hop, c'est parti! Encore un autre. Ok. Ah, il y a moyen de fermer les portes, quoi. Ok. Appuie sur le bouton gauche. J'appuie sur le bouton gauche. Ok, il n'y a pas moyen d'appuyer. Ok. Quelques notes supplémentaires, du sang, j'espère que c'est moi qui ai piétiné. Et si c'est le cas, franchement, je trouve ça trop bien. Alors, on va faire un petit test. On va piétiner dans le sang et on va se balader. Oh là là, comme c'est complètement Monster High. C'est quoi ça? Est-ce qu'il est... Je sais pas si c'est une bonne idée, là, mon bonhomme. Il... Bonjour. Quel est votre souci, monsieur? Là, il me saute dessus. Je flippe. Je peux te parler, je peux te pousser. Je peux te pousser? Viens, on va faire un tour. Hé, salut tout le monde. Psychopathe. Psychopathe. Ça te dérange pas? Ouah, il fait pas flipper celui qui est là-bas. Le son là qui me viole les oreilles. Ça me plaît pas, ça me plaît pas. Waouh. C'est de pire en pire. Les 13 premières minutes que j'ai pu vous faire étaient quand même pas mal. Tu es mort, oui. Mais tu regardes l'ordinateur? Non, je te laisse tranquille regarder l'ordinateur. Par contre, je vois rien. D'un côté, on est dans le noir. Je dois retourner là. Qu'est-ce que c'est là-bas? Ouah, j'y crois entendre des voix. Serrage de fesses. Salut, bah je ne fais que passer. Je me suis trompé de magasin en fait. Mais si oui, je peux vous ramener quelque chose à ma... Putain. Bouge ta souris là. Putain, comment je viens de flipper ma race. Oh là là, là là, mais vous êtes fous, cher abonné, cher ami, cher personne qui... Non, mais s'il te plaît, pourquoi? Vas-y, position fétale. Je lui fais peut-être peur, en fait. Le putain de scary jump que je viens de vous faire, ça lui a peut-être fait peur. Ok, c'est pas par là.
Non, sans déconner. Il n'y a pas une tête de Sarkozy. Oh là là. Mais arrête de poser ta main, s'il te plaît. Ça me fait peur, ce jeu. Et vous voulez que... C'est quoi ça? T'étais là tout à l'heure, toi? Je suis pas certain. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la zone? Aucun truc important. Hop, si, quelques documents. C'est bon, je t'ai pris un document, tu vas pas me péter les couilles, toi non plus. Bon, c'est tant bien que ça soit fermé, j'ai pas envie d'y aller. Étant donné l'état du bâtiment, je pense pas que c'est une bonne idée de... Voilà. Ok. White knees. Quelque chose. Moi aussi la traduction. Quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a? Mais ouvre-moi cette porte. Oh putain, mais ils ont tous leur agnagna quoi. Et vous voulez vraiment que je joue pendant 30 minutes? Sans déconner, là je te regarde toi derrière ton ordinateur qui veut que je joue pendant longtemps. Il y a une limite quand même quoi. Les gens qui dégustent du colon. Ça c'est soft là, tu vois, ça fait pas peur tant que ça me saute pas la gueule. Tant qu'il y a personne qui arrive derrière moi. Non, non. Il y a une limite dans l'accessible. Ok, il y a une limite dans l'acceptation. Mais je suppose c'est par là. Parce qu'il n'y a pas moyen, je rouvre pas cette porte. Moi. Elle vient de se fermer devant moi, donc ça veut dire que elle est inrouvrable. Étant donné que si je la rouvre, je me fais sauter à la gueule. Au pire, je sais ce qui m'attend. On va y aller, hein, tout simplement. Et c'est surtout le son du jeu qui est hyper fort dans mes oreilles. Il y a quelqu'un. S'il vous plaît. Quand j'ai des potes et tout qui disent ouais c'est pas un jeu pour moi. Hé, hey, mais pour moi non plus hein. Non, ouvre-moi cette porte et tu la pousses. Tu la pousses si t'as fait sauter sur la gueule par un monstre. L'ail, mensonge. Tout est mensonge. Du moins, en gros, j'ai pas la meilleure traduction française du monde. Non, non, mais pose-toi pas sur l'ordi. Pose-toi pas sur l'ordi, ça va arriver derrière toi. C'est moi en fait, c'est mes mains qui font. T'es en train de déconner. T'as une caméra derrière toi. Non, 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 ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça se regarde. Allez hop. Je sais pas où. Ok, je me cache dans les vestiaires. On est en train de défoncer. On arrête de respirer. Il est en train de renifler. Je sens qu'il va... Tu es par ici, pas vrai, petit cochon? Non, je ne suis pas un petit cochon. Oh, c'est quoi ce psychopathe? Oh putain. Alors pour cette caméra, comment ça fonctionne? Non, au niveau des piles, ça se passe bien. Je l'entends parler. Je l'entends parler. Je veux plus jouer. Pourquoi vous me faites jouer pendant une heure là, les gens là, vous voulez que je joue trop longtemps? Non, je peux pas jouer pendant longtemps.
pas joué pendant longtemps. C'est horrible. Vivement que je quitte ce jeu et je pars jouer à Payday avec un pote là. Non. Ouf, c'est fermé. Ouf. Y'a personne derrière, ouais, nickel. Non mais c'est hyper stressant. Eh, mais dis donc, c'est la même porte. Du moins la même salle. Ça tombe bien, moi je vais me casser. Mais écoute, y'a personne, y'a rien. Je sais pas si c'est une bonne idée d'aller où il y a de la lumière. Franchement, c'est malheureux pour vous. Mais sur ce, franchement, je vais vraiment vous abandonner. À la limite, je ferai une crise cardiaque sur place, quoi. Franchement, non, mais je parle pas parce que je sais plus quoi dire. Je suis dedans. Je m'imagine à sa place et c'est pas un truc à s'imaginer. Bon, franchement, sur ce, je vous abandonne. C'est un peu court. Je ferai plus pour la suite. En plus, j'ai eu un gros fail. À vrai dire, je vais vous l'expliquer tout de suite. J'ai dû recommencer tout le début du jeu, mais j'ai perdu ma sauvegarde. Donc, pour vous, j'ai enregistré que ça, mais j'ai recommencé tout le début du jeu. Donc, excusez-moi pour cet épisode, mais pour les prochains, je vais essayer. Parce que voilà quoi, je vais essayer de vous garantir de la qualité en longueur, du moins une plus grosse partie. Là c'était quand même assez court, je suppose que j'ai pas joué longtemps. Ça commence à faire des bruits bizarres. Sur ce, je vous abandonne, c'était Mr. Pingu, ciao 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 ciao.